Salut à tous, c'est Joring Tuto 3D, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce troisième tutoriel, nous allons apprendre à dessiner un Rubik's Cube en 3D. Donc voilà, comme sur ce modèle, ça donne un Rubik's Cube qui flotte. Voilà, c'est parti. Donc alors, pour le matériel, on aura besoin d'un crayon de bois. Donc moi, je prends deux haches, une gomme, des ciseaux, voilà, pour couper après. Et donc pour les couleurs, donc là vous faites comme vous voulez, mais moi j'utilise des pro marqueurs. Voilà, un pack de 12 pro marqueurs. Voilà, donc c'est écrit lettre 7 pro marqueurs. Et donc sur les pro marqueurs, on a d'un côté une pointe fine, je sais pas si vous voyez. Voilà, et de l'autre une pointe épaisse. Voilà, et dans les packs, on a un blender. C'est. Celui-ci, là, et c'est pour faire des dégradés ou mélanger de couleurs. Enfin voilà, moi j'utilise les ProMarkers. Alors, donc pour commencer, on va faire un carré ici, voilà, comme ça. Ah, bon, gomme après, si jamais c'est pas droit, hein. Là c'est pas grave. Voilà, on fait un carré. Donc je vais modifier un peu. Voilà. Ensuite, on va faire un quadrillage. Donc pour là, on fait un 3x3. Donc là, j'ai pas de Rubik's Cube sous la main, mais voilà. Donc déjà, faut que ce soit à une distance, donc on va faire 3 points comme ça. Et donc là, j'ai déjà fait les traits pour aller plus vite, les repères. Voilà, on en fait un ici et un ici, des droites parallèles. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on va prendre ici, ici. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai fait poser, j'ai terminé le quadrillage. Voilà, donc pour la face du haut, c'est fait. Ensuite, voilà, donc pour la deuxième face et la troisième face, donc là on va faire un long trait comme ça. Faut que ces deux faces-là, elles soient plus grandes, hein, pour la 3D. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, par contre, j'ai modifié un petit peu. Ici, c'est pas vraiment ça. Voilà. Et ici, on termine. Donc voilà. Il faut que cette droite-là, elle soit parallèle à celle-là. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une règle. Voilà. Et on termine, enfin on relie ici. Voilà pour faire la face de devant. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Et là on va faire pareil ici, donc c'est-à-dire qu'il faut que ce soit à peu près parallèle à cette droite-là. Donc voilà, droite comme ça. Et là pareil, on relie. Voilà, ça va donner ça, mais là on dirait pas trop un Rubik's Cube, mais voilà, on s'y regarde comme ça, là on dirait un Rubik's Cube. Voilà, donc on va bien refaire le trait comme ça. Maintenant on va s'occuper du quadrillage. Donc ici ça va être différent, toutes les parties du haut vers le bas, il faut que ce soit plus en plus grand, plus en plus petit. Donc c'est-à-dire la première, pour les premiers carrés, on va faire un point ici pour que ce soit assez grand. Voilà. Ensuite on va en faire un là. Et voilà, donc ça fait grand, moyen, petit. Voilà. Et là si on gagne en 3D, on a l'impression que ça va être les mêmes distances. Voilà. Donc c'est parti. Et là on trace. Donc, voilà, on fait un trait. Et on fait le deuxième. Voilà, c'est de l'à peu près, hein, mais ça donne ça. Ça, on repassera au marqueur noir. Voilà, ça donne ça. Et là, on va faire pareil. Donc ici, les points de repère, on les a déjà. Par contre, on va les mettre ici. Donc on va en mettre un ici. Et un ici. Et c'est parti, donc on trace.
Voilà les traits. Voilà, ça donne ça. Et on fait pareil ici, donc là, vous prenez, vous faites pareil, des petits points là comme ça. Voilà, enfin après vous faites comme vous voulez, bon là par contre, j'ai fait une petite connerie, voilà, ça arrive à tout le monde. Voilà, et donc pareil, on continue, donc là, attendez, là c'est un peu plus compliqué pour, faut pas que ce soit parallèle à cette droite là, mais à celle là, il me semble, bon, on va le dessiner comme ça. Ça m'a l'air bon. Là, c'est pour moi hein, un petit repère. Parce que je suis pas vraiment sûr. Ouais, c'est bon. Donc, je vais gommer un peu tout ce pâté. Hein, voilà. Et le trait, on va le faire ici. Il faut qu'il soit parallèle à cette droite-là. Voilà, donc. Comme ça. Voilà. Et donc pour terminer le quadrillage, eh ben on trace tout simplement, là on fait pareil, on fait des repères, donc voilà, et on y va, donc on trace les traits, voilà donc un là, et un là. Pas si c'est extra, mais c'est bon, ça va. Voilà, donc pour le dessin, c'est terminé. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va repasser tous les traits au marqueur noir. Donc alors, bien sûr, je mets une heure pour le retrouver. Bon, voilà, j'ai fini, j'ai retrouvé. Alors, c'est parti. Donc, on va tout repasser au marqueur noir. Voilà, donc j'ai dépassé, enfin, voilà, j'ai repassé plutôt les traits. Voilà, bon, ça donne ça, de loin. C'est pas parfait, mais bon. Surtout que là, j'ai dépassé comme une grosse merde, mais c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va passer aux couleurs. Donc là, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Là, ici, je vais mettre du vert. Là, du rouge. Et là, je vais laisser blanc. Voilà, donc, je vais prendre un gros marqueur vert. Et c'est parti, je vais colorier. Voilà, donc cette face-là, elle est terminée. Donc là, ça va devenir plus clair hein, quand ça va sécher. Voilà, je rebouche ça. Du moins, j'essaie. Voilà. Et cette face-là, je crois que je vais la faire. Je vais vérifier. Ouais, je vais la faire en rouge. Donc je vais prendre un pro marqueur rouge. Et c'est parti. Voilà, c'est terminé. Donc ça donne ça, de loin. Voilà. Bon, alors moi, je rajoute certains trucs, comme par exemple des lights. Donc en fait, c'est voilà, des traits de lumière. Donc je vais en faire quelques-uns. Voilà. Donc ça donne ça. C'est une petite touche que je rajoute, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et maintenant, donc on va faire l'ombre. Enfin vous faites comme vous voulez hein, si vous voulez faire le type d'ombre, si le Rubik's Cube il est posé ou s'il vole en l'air, ça c'est comme vous voulez. Enfin, moi je vais faire plutôt comme il vole en l'air. Donc là on va commencer par faire bon, d'abord là je me suis trompé, le temps que je retrouve ma gomme. Donc voilà. Donc alors on va commencer à peu près ici, voilà, prendre le modèle et on va faire, voilà, on va faire un carré, donc enfin un carré à peu près, hein. Un carré flou hein, comme ça, enfin flou. Voilà, vous faites un petit truc rapide, voilà, juste comme ça, enfin, plutôt comme ça, voilà. Et donc on va colorier l'intérieur, enfoncer. Colorier un petit peu n'importe où, hein, comme ça. Voilà. Une petite zone. Vous gommez un peu
ce qu'il y a autour, enfin ce qu'on a fait, c'était un petit repère. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le doigt, on va frotter comme ça, comme dans les vidéos précédentes. Voilà. Et on va faire une sorte de carré. Donc, voilà. Comme ça. Essayez de bien foncer le tout. Voilà, ça donne ça. Et maintenant, donc, une fois qu'on est comme ça, on va gommer un peu, voilà, le contour, mais ici, gommer un petit peu pour qu'on confonde un peu, voilà. Et bah après, vous faites comme vous voulez, hein. Enfin, moi je fais comme ça, mais. Moi je fais comme ça. Et maintenant il nous reste plus qu'à découper, donc faire le découpage. Donc on va faire un petit repère. Moi je vais découper. Alors je vais faire d'ici à ici. Et je vais découper. Bon, je vais faire un carré comme ça. Ouais, bon là j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà. Et je vais découper toute cette partie-là. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. On va prendre tout ça. Et voilà, ça donne ça. Donc là, faut pas que ce soit trop plié. Et voilà, ça donne ça. Donc après, vous réglez hein, pour le pli. Là, je sais qu'avec la lumière, on voit pas très bien. L'éclairage est pourri. Voilà, ça donne ça. Donc après, si vous voulez un effet ben, pour qu'il vole, quoi, à vous le déplacer comme ça. Et voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis salut.